Et bienvenue dans votre 12-13, à la une de l'actualité régionale, cet témoignage d'un éleveur de lait. Et sans eux, aucune victoire ni aucune épreuve ne serait possible. Intéressons-nous ce midi au juge-arbitre, comme l'accent de Jérôme Anville. Indispensable à la bonne tenue de ces jeux, les secouristes, la Croix-Rouge a mobilisé 8000 touristes sont attendus dans la catégorie Stéphane Guillemot. Catarale, véritable cauchemar des éleveurs ovins, a été récemment signalé à la frontière belge. Alors par préyon de 150, Marie Soyer et Dounia Siri ont rencontré un agriculteur de laine très inquiet. Regardez. Dans les actualités internationales, Kamala Harris est désormais assurée d'être la candidate des démocrates à l'élection présidentielle. Elle peut maintenant désigner son vice-président et plusieurs noms circulent. Les précisions de Julien. Essentiel de l'actualité, je vous retrouve ce soir pour votre 19-20. Très bel après-midi à tous. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur hdf.france3.fr et sur l'application ICI par France Bleu et France 3.